Puis bien, c'est bien off en dessous. Donc là, c'est off. Voilà. Je vais vous poser là. Faut que ça tombe. Est-ce que vous voyez bien, les amis, là? Faut mettre les piles. Là, c'est les feux stop. Donc, on fait toute la façon. Hop. C'est très fragile. On va mettre ça là. Ça, c'est pour. J'ai pas fini encore les numéros. On vérifie. C'est bien sur off, c'est bon. On met les piles dans le bon sens. C'est dans le sens là. Merde, c'est pas dans le bon sens. Ah, voilà. Et surtout bien éteindre l'interrupteur, mettre sur off et enlever les piles, les amis. Voilà, là j'ai mis les piles. Je vais vous montrer. J'ai mis les piles. Bon, elle est peut-être poussiéreuse. Là, c'est la montre. Je mets sur off. Et. La table de bord qui s'anime et tout. Ça, c'est pour animer ta table de bord et l'éteindre. Ça, c'est la musique. On va pas éteindre, on va pas toute la musique, mais vous verrez dans la première vidéo. Ce bouton-là. Et aussi, j'ai mis les phares. Attends, on va couper ça. Voilà, vous avez vu la musique, ça. Vous appuyez une fois là. Ça coupe. Je vais vous montrer, ça c'est les feux stop. Il y en a 4, les 4 sont là. J'ai mis les phares. Regardez. Je serai obligé d'enlever les phares dans ce prochain numéro. Ça, c'est le cas scanner. Scanner, c'est vu. Ouais, elle est un peu poussiéreuse, monsieur. Je la laisse là-bas. Donc voilà. Ça, c'est le scanner, ce bouton-là. Et ça, c'est la voix. La première voix. Deuxième voix. Sa deuxième voix, ça. Troisième. Quatrième, là. Et voilà. Et ça c'est pour la voix de kit. Et ça, c'est l'odeur. Voilà. Et ça c'est pour rééteindre le tableau de bord du moteur. Allez. Puis là pour le scanner. Voilà. On se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo, les amis.